Des cours dispensés en anglais, une formation exclusivement gastronomique en pâtisserie ou en cuisine, c'est la recette que propose une école d'Agde dans l'Hérault. L'établissement accueille une vingtaine d'élèves, tous étrangers. Ils organisaient leurs portes ouvertes, l'occasion pour eux d'attirer des élèves français. Bah dites-moi, pourquoi vous êtes venu aujourd'hui à ces portes ouvertes ? Pour une formation personnelle de pâtisserie. Et j'étais chef cuisinier de chasse, ça fait 15 ans que je suis en retraite, et maintenant je redémarrais un peu gentiment pour... Personnellement, je vais faire trois semaines en trois fois au mois de septembre à la rentrée. C'est pour apprendre plus sur la pâtisserie. J'ai vraiment envie de faire ça depuis longtemps. J'ai un projet et j'ai envie de concrétiser. Pardon. Et j'ai surtout envie d'apprendre les bases et m'améliorer pour ensuite moi pouvoir le faire et en vivre. Depuis trois ans, j'habite à Agde. Je cherche désespérément une école où on peut apprendre à cuisiner le poisson. Voilà. Et bon, ben, j'espère. Enfin, finalement, je l'ai trouvé ici. Plusieurs formations existent au sein de l'école, seulement quelques heures de cours sur un thème précis ou un cursus plus classique avec des stages. Et pour les étudiants étrangers, l'apprentissage du français est obligatoire. L'objectif, c'était d'apporter quelque chose qui n'existait pas dans la région. C'est-à-dire, il y a un enseignement qui est bon dans le CFA de Béziers, un bon enseignement pour apprendre les bases, pour apprendre aussi la théorie. Là, on leur permet de franchir un cap. C'est-à-dire, on est vraiment un lien entre ce qu'ils ont appris au CFA et le travail au final dans un restaurant gastronomique et ou restaurant étoilé Michelin. Puisque nous leur apprenons les techniques nouvelles pour fabriquer les plats ou les desserts en question. Et après, on les lance en stage dans les conditions du réel. Là, on a des petits jeunes de 18-19 ans qui viennent apprendre leur métier. On a une personne qui est un peu notre doyenne, notre mamie à tous, qui a 80 ans et qui vient là pour le plaisir, qui a pris une formation de 3 mois. On n'est pas là juste pour une semaine, vous voyez. Donc, qui vient parce qu'elle aime la cuisine française. Donc, il y a tous les profils. Ce qui nous relie tous les uns les autres, c'est le goût et la passion de la cuisine et de la pâtisserie française. And now we have the ganache. Okay, let me have ganache. Okay. And now we have the corned beef. Je viens du Brésil, de Rio de Janeiro. Ma famille, elle travaille avec restaurant et je suis passionnée avec la cuisine depuis petite. Donc, j'ai trouvé cette école. Pourquoi venir en France et pas rester au Brésil? Parce que c'est l'origine de tout, non? Et au Brésil, on n'a pas vraiment beaucoup de traditions en cuisine. Donc, j'ai décidé de venir ici à l'origine. Je viens de la Guinée-Conakry. Je voulais me performer en pâtisserie. Pour moi, la pâtisserie, c'est ma passion. Et donc, je voulais me performer, raison pour laquelle je suis là. Vous restez sur la cuisine ou faites aussi pâtisserie? J'ai essayé de faire les deux, mais j'ai fait la pâtisserie 2 mois et après, il faisait chaud et je ne pouvais plus. Alors, je suis arrêtée de faire la pâtisserie, mais je reviendrai la faire. Et pourquoi faire cette formation? C'est pour vous en plus, pour apprendre plus de choses? Vous savez, moi, j'ai 81 ans et il fallait que je fasse quelque chose d'intéressant pour mes petits-enfants, peut-être, oui. Alors, en fait, on a différents profils. On a des personnes qui connaissent rien à la cuisine, qui n'ont jamais touché un couteau de leur vie. Et on a aussi des professionnels qui ont déjà 3, 4 ou 5 ans d'expérience. Donc, en fait, ici, on leur apprend, on commence par les bases de la cuisine. Et ensuite, progressivement, on va augmenter en qualité, en niveau, en fait. Donc, en général, on fait ça sur 3 mois. Donc, le premier mois, c'est vraiment... On revoit toutes les bases. Le deuxième mois, on pousse un petit peu plus pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Et le troisième mois, on atteint un niveau avec des techniques assez poussées. Et ce qui fait voir un petit peu la cuisine actuelle, en fait. On leur apprend la cuisine d'aujourd'hui. Donc moi, auparavant, j'ai été professionnel pendant 15 ans. J'ai déjà commencé la formation aux États-Unis, au Texas. Par la suite, je suis revenu à Paris. J'étais formateur à l'école Escoffier, au sein du Ritz, et par la suite je suis venu au bord de la mer. Nous avons des élèves qui arrivent qui n'ont jamais touché un couteau de leur vie. Premier jour, on va commencer par faire la compote de pommes, et faire mesure avec une évolution, et par la suite, dans les dernières semaines, on va faire des entremets, du dessert à l'assiette niveau étoilé, et des produits de chocolaterie également, avec un certain niveau. Comment vous faites pour leur apprendre aussi rapidement? Parce que c'est de la gastronomie quand même, donc des fois ça peut être assez compliqué, j'imagine qu'on n'apprend pas ça. Alors déjà, on a la chance d'avoir un métier manuel. Donc c'est vrai que déjà, nous, tout ce que l'on fait,
Le formateur fait une démonstration auparavant, les élèves reproduisent. Et après, c'est de la communication, c'est de l'échange sur les produits, sur les techniques, toutes ces choses. L'école se trouve également à Miami. Il est d'ailleurs possible pour les étudiants de faire une formation dans les deux pays. Le prix du cursus peut varier entre 4 000 et 10 000 euros.